FM TV face à face, Apolline de Malherbe. 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Madame. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes député Rassemblement national du Nord, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Vous étiez à la manifestation hier dans le cortège du Rassemblement national, plutôt en queue de manif, avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella et entouré de nombreux élus du Rassemblement national. Alors il y a eu les politiques qui tout au long de la semaine ont débattu de votre présence, mais il y avait aussi des... Manifestants. Et vous avez été vu, notamment, à la fin de la manifestation, alors que vous quittiez le cortège, alpagué par des manifestants. L'un d'eux vous a dit euh, qu'il n'était pas satisfait de votre présence. Il a dit :« Mon grand-père est un rescapé, un rescapé des camps. Je ne voulais pas de vous dans cette manifestation. » Ça, c'est pas un politique. C'est mais... un manifestant. -ce que, comment vous avez vécu ce, ce moment, cet échange C'était, pour être très honnête, assez anecdotique parce quau delà de la, c'est anecdotique bête, pour Non, c'était assez anecdotique le fait qu'on vienne nous remettre en cause notre présence. D'abord, la manifestation en tant que telle était une grande et belle manifestation, digne, euh, zéro incident. Non, zéro j y, j y viens, il n'y a pas vient. de problème. Je, je, je vous interroge sur, ça, sur cet Il y aura échange. toujours des gens. Un non, homme mais... qui vous dit :« Mon grand-père était un rescapé des camps. Je ne veux pas de vous ici. » Deux choses. Il y aura toujours des gens Qui refuseront de voir qu'un mouvement politique, que ses dirigeants, euh, que son histoire peut évoluer. Et il y a beaucoup de mouvements politiques qui ont évolué euh, dans notre pays. Aujourd'hui, on ne fait pas le procès lorsqu'on reçoit euh, Fabien Roussel euh, de ses accointances euh, passées. Mais, mais je ne vous communiste. parle donc, pas de politique donc, donc là. Mais gens... je vous parle d'une bah, personne politique. qui a marché hier. C est, c est politique, et si vous qui vous, vous, vous a dit ça avec l'émotion d'un petit oui, fils de euh, rescapé. Oui, aussi l'émotion d'un militant politique qu'il était. Et c'est pour ça que je vous dis c'était euh, assez euh, anecdotique par rapport à l'excellent accueil que nous avons eu, parce que moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'excellent accueil que nous avons eu de nos compatriotes, dont je ne sais pas qui, euh, chez les uns et chez les autres, était de confession juive ou pas. Nous avons donc une immense majorité des gens qui étaient là, qui étaient satisfaits de notre présence, et certains, effectivement, peuvent exprimer un désaccord, mais c'est encore à nous, peut-être, de montrer euh, la sincérité de notre engagement, parce que nous, on est venus avec beaucoup de sincérité, et je vais vous dire, avec beaucoup d'humilité. Euh, c'est aussi ça qui peut-être nous différencie des autres. Euh, tous les autres, quand je les voyais au, au premier rang, euh, qui ont tant à se reprocher, qui ont tant raté, qui n'ont euh, pas écouté pendant tant d'années les signaux que nous leur envoyons et qui considèrent qu'ils sont encore vous, vous un magistère de, de, moral. Vous parlez de tous les représentants politiques, des oui, anciens présidents, qui étaient euh, le problème au, que, au premier rang de la manifestation oui, le, le problème, c'est que non seulement euh, ils ont manqué le combat euh, contre l'hydre euh, islamiste, et ils n'ont pas su, euh, voulu, pu protéger les Français toutes les fois où ils ont eu les leviers en main, mais ils se considèrent encore comme un magistère moral et pire, ils en sont persuadés. Ils pensent sincèrement qu'ils détiennent euh, la vérité, euh, la capacité à juger les uns et les autres. Vous savez, moi je me réfère à ce qu'a dit... Euh, Serge Karsfeld, qui pour moi est probablement euh, l'autorité morale euh, et intellectuelle sur ce sujet-là, euh, la moins contestable dans notre pays. Euh, il y a eu d'autres personnes. Je pense par exemple Pierre Moscovici, qui a été un adversaire politique très déterminé du Rassemblement national. socialiste, aujourd'hui euh, euh, président de la Cour des comptes. Voilà, et qui a fermé la porte de ces débats euh, euh, un peu stériles et je crois désormais dépassés sur le fait que, oui, le Rassemblement national non seulement a sa place, mais n'est pas antisémite, ni ses dirigeants d'ailleurs. Donc, euh, je sais voilà. sais si a et... été jusque-là. Mais, mais, mais... Edouard Philippe, par exemple, pour ne citer tout que lui, fait. ancien Premier ministre, des qui, gens qui ont une dans ce même studio hier soir, face à Benjamin Duhamel, disait, euh, moi, euh, contre l'antisémitisme, je prends tout le monde, y compris euh, les, les élus du Rassemblement national. La question peut-être, mais ensuite on va venir sur la question de la, la, du succès ou non de cette manifestation et de la suite, surtout à en donner, mais vous avez dit le mot sincérité. Peut-être que c'est là-dessus qu'on peut s'arrêter un instant. Vous avez dit, nous étions là en toute sincérité et nous devons peut-être, y compris devant cet homme qui vous a alpagué hier, euh, montrer notre sincérité. Est-ce que c'est pas là que vous avez failli quand Jordan, Bardella, humilité, quand, quand Jordan Bardella, la semaine dernière, de manière tout à fait spontanée, euh, dit qu'il ne pense pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite, alors il est revenu sur ses propos, mais il a mis une semaine à revenir sur ses propos en plaidant la maladresse. Le cri du cœur pour lui, c'est que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Est-ce que ça, justement, ça pose pas la question de votre sincérité Au fond, est-ce que sur le fond... Vous avez vraiment tourné la page. Je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est que ces querelles ou cette question sur notre sincérité, euh, elle pose débat dans les rédactions journalistiques parisiennes. Elle ne pose pas débat chez les Français, chez le peuple de France. Et nous, on manifestait au milieu posé des Français. Mais elle n'aurait pas posé question s'il avait spontanément répondu non, oui, il était antisémite, euh, on a tourné la page. Je vous vous voyez dire, ce que je veux dire Le fait politique le plus important, c'est que Marine Le Pen, il y a euh, près de 15 ans maintenant, euh, est rompue avec Jean-Marie Le Pen sur cette cause-là. Qu'elle est rompue avec le fondateur, qui était aussi son père et qu'elle est rompue sur cette raison-là. Et donc tout le parcours ensuite du Rassemblement national, ce parti politique, mais aussi de Marine Le Pen et de ses élus, a été sans aucune anicroche, sans aucun problème. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que c'est avec le temps qu'on juge les choses, eh bien les gens nous donnent quitus de cette sincérité. Sébastien Chenu, 200 000 personnes dans toute la France, 105 000 à Paris. Est-ce que vous estimez que c'est un succès oui, c'est un succès. C'est un succès parce qu'il faut le comparer, euh, j'allais dire, aux grandes manifestations d'envergure qui ont pu avoir lieu sur ces sujets-là ou sur d'autres dernièrement. Et quand on commence, quand c'est la première manifestation d'importance sur un sujet comme celui-ci qui rassemble plus de 100 000 personnes à Paris et près de 200 000 personnes dans le pays, oui, c'est un succès. Et je le disais tout à l'heure, il y avait une dignité dans cette manifestation. Il y avait, euh, j'allais presque dire, une élégance. Euh, il n'y avait aucun heurt, aucune polémique stérile, euh, zéro incident, zéro poubelle brûlée, zéro abribus abîmé. On peut donc manifester dans notre pays aussi euh, sans qu'il y ait de heurt avec la police, aucun policier euh, interpellé, mis en cause, caillassé, ça existe. Alors vous me direz, ça existe peut-être parce qu'il n'y avait pas LFI et peut-être que c'est un des éléments déterminants, mais ça montre, je crois, que les Français... Vous, vous y... le pensez Vous pensez que c'est parce qu'il ah bah, n'y avait pas un militants et les militants LFI oui, les filles qui crachent sur la police, qui crachent sur les institutions, qui caillassent tout le monde. On, on les voit dans chaque manifestation, certains, évidemment. Certains d'entre eux. L'un euh, de leurs députés, par exemple, a, a dit c'était une manifestation dans laquelle il y a eu de la violence et des propos homophobes. Vous en avez entendu, vous en avez vu Non, j'ai jamais entendu ça. Mais il aurait fallu qu'ils viennent parce que vous savez dans ce genre de manifestation, ce qui est important à la fin, c'est de voir qui est venu et qui n'est pas venu. Parce que si on ne se lève pas pour aller marcher contre l'antisémitisme, on se lève pourquoi en fait À quel moment dans sa vie on se dit je vais aller défiler si même pour ça on n'arrive pas le faire. Emmanuel Macron euh, n'y était pas, ça vous alors, a manqué Moi, ça m'a ça m'a manqué à titre personnel. Euh, ce serait un peu aller au-delà, mais le, la place du président de la République c'était là. C'est une occasion manquée, c'est un acte manqué, c'est un rendez-vous manqué avec les Français, euh, qui, je crois, euh, a deux explications. D'abord, combien de revirements euh, Emmanuel Macron voit pas clair sur ce sujet-là. Euh, il nous dit à un moment il faut une coalition. Après, il nous dit il faut un cesser le feu. Puis il, re, il change là, vous de vous parlez casaque, de la situation nouveau... là-bas. Oui, mais oui, sur oui, l'antisémitisme, oui, il, il a manqué de clarté non sur l'antisémitisme, je, je, je veux bien lui donner ce crédit, mais je veux dire, on est obligé de mettre en parallèle euh, sa prise de, de parole euh, internationale et ses actes à cette Qui manifestation. Qui n'est pas clair donc, pour vous clairement. C'est enfin, pas clair et je vais vous dire, malheureusement pardon, clairement, clairement pas, clairement, oui, mais... pas clair, et malheureusement en cas de gros temps. Quand ça tangue dur, on a besoin d'hommes et de femmes politiques qui ont une vision. Vous savez, euh, défendre les Français, c'est leur dire la vérité. Et ça, Marine Le Pen l'a toujours fait. C'est leur dire la vérité, même sous les crachats, même sous les injures, même lorsqu'elle est déplaisante. Emmanuel Macron ne voit pas clair au niveau international. Vous avez dit qu'il une deuxième raison pour laquelle oui. vous bah, vous envisagez. J J'espère, et je vous le dis avec là aussi beaucoup de sincérité, qu'il n'est pas venu pour de bonnes raisons. C'est-à-dire parce que, euh, j'en sais rien, il est en train de négocier des libérations d'otages et que ceci aurait pu, euh, on ne sait pas, euh, venir entamer euh, le, le, un processus de bonnes raisons de fond. Pas parce qu'il a peur, pas parce qu'il se dit, attention, je crains que ça ne dérange des gens qui soient eux-mêmes dérangés par cette manifestation. Euh, parce que moi, ce qui m'a heurté, voyez-vous. Ça, ça veut dire quoi Vous, ben, vous soupçonnez... Quoi? Ben, quand je vois les, les tweets du président de la République, qui considère, et c'est un peu le cas aujourd'hui lorsqu'il reçoit euh, les, les, les religieux, euh, il considère que c'est en fait des communautés contre les autres qui s'affrontent. Il avait dit dans un de ses tweets il ne faut pas fractionner la France en différentes communautés. Il n'y a qu'une communauté nationale. Et hier, il n'y avait pas besoin d'être juif pour défiler. Euh, voilà, il n'y avait pas besoin euh, d'avoir une quelconque croyance pour défiler. Et si le président de la République considère que en fait, c'est euh, l'affrontement de deux communautés, communauté musulmane et, il et communauté juive une communauté par contre rapport à l'autre, et qu'il aurait en... peur que ceci déséquilibre euh, un frêle équilibre euh, national, eh bien, je pense qu'il ne comprend pas l'enjeu. L'enjeu, c'est lutter contre l'islamisme. L'enjeu, c'est lutter contre l'islam radical. C'est pas lutter contre la communauté musulmane au profit d'une autre communauté religieuse. Je crois que ce n'est pas une guerre de religion. C'est On est face à une idéologie. L'islamisme est une idéologie qu'il nous faut combattre. Et je pense qu'Emmanuel Macron se trompe, qu'il n'y voit pas clair. Et sincèrement, bah, ce n'est pas rassurant pour les Français. Mais, mais, mais attendez, si, si je vais jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de dire, vous laissez entendre qu'Emmanuel Macron fait un amalgame, au fond, entre islamisme et musulman Non, mais c'est lui qui parle de communauté. C'est lui qui parle de communauté en disant faut pas fractionner en communauté sous-entendu la communauté musulmane, la communauté euh, juive. Donc c'est lui qui euh, imite du religieux alors que notre combat doit être tout entier tourné vers la lutte contre l'islamisme. L'islamisme c'est une idéologie. Moi je ne confonds pas euh, un musulman euh, et un islamiste. Je ne confonds pas du tout. Euh, Sébastien Chenu, vous le mentionniez à l'instant, Emmanuel Macron a convoqué aujourd'hui, ce matin, en fin de matinée, à l'Élysée les représentants des différents cultes. Euh, ils y seront tous, y compris les représentants du culte musulman, qui n'étaient pas présents eux à la marche hier. Qu Qu'est-ce qu que vous attendez Qu'est-ce qu'on peut attendre de, ce, de cette réunion tout à l'heure Mais vous savez, c'est un peu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de, finalement de cette manifestation d'hier C'est un peu la, la suite logique. Si c'est une prise de conscience nationale avec des gestes et des actes forts ensuite alors euh, cette manifestation aura servi à quelque chose. Si c'est simplement... Pour se donner bonne conscience, pour que quelques uns se donnent bonne conscience, quelques dirigeants se donnent bonne conscience, parce qu'ils ont failli pendant tant d'années, alors on sera à côté. Moi, j'attends des actes forts, c'est-à-dire que le président annonce la fermeture de mosquées salafistes, annonce l'interdiction des frères musulmans sur notre euh, territoire. Vous savez que les frères musulmans sont structurés sur notre territoire. Euh, nous disons qu'ils ont, ils ont même en main certaines structures comme le lycée Averroès dans le nord que continue euh, à subventionner euh, à son corps défendant aujourd'hui la région, mais euh, pendant longtemps ils l'ont fait. Xavier Bertrand l'a Fait en étant tout à fait aujourd'hui, Xavier Bertrand, mais d'accord, mais, veut que, plus financer, mais, mais, mais la justice sont... l'oblige, mais c'est la justice oui, qui l'oblige. – D'accord. il ne veut plus, mais chère madame, nous l'avons pendant dès 2015 avec Marine Le Pen à la région, nous siégeons dans son opposition, nous lui avions dit arrêtez de subventionner ça, mais vous qu'un c'est la ta... même situation. Non, vous non, aussi la dès qui 2015, vous à le faire, mais déjà, on n'aurait pas perdu dix ans. Hein, euh, y compris l'argent des habitants euh, de la région du Nord Pas-de-Calais. Mais euh, il faut savoir il y a des structures aussi, et et des pour associations. Quelle raison, pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait cesser de subventionner ces, ces écoles qui, pour certaines, sont des écoles mais que, euh, mais, musulmanes, mais sous contrat avec l'État. Mais parce qu'elles sont tenues. Ça a été eu à un livre de Georges Malbruno je crois, par les frères musulmans. C'est un fait, c'est une réalité. Et nous, nous considérons qu'il faut interdire les frères musulmans qui sont l'organisation euh, qui est celle probablement la plus à la pointe euh, pour représenter L'idéologie islamiste dans en, le pays. Mais puisque vous en venez à cette question, je vous pose la question à vous aussi. Vous seriez aujourd'hui au pouvoir Vous seriez aujourd'hui à la tête de la région euh, nord Ou vous seriez au pouvoir plus globalement de manière nationale Les juges et les instances administratives vous imposeraient à vous, comme mais, à Xavier Bertrand, de continuer à financer ces lycées Il y a plusieurs choses. Bah D'abord, nous n'aurions nous pas perdu 10 ans, c'est ce que je viens de vous dire. Mais il y a plusieurs choses. Quelles qu seraient mesures, vos Les mesures immédiates, je, je viens de vous en citer par exemple de euh, fermeture des mosquées salafistes, dissolution des frères musulmans. Euh, et puis il y a les mesures, les grandes mesures, j'allais dire, nationales, sur lesquelles Marine Le Pen a fait des propositions, qui commencent par un référendum sur cette question migratoire, parce que nous le disons depuis longtemps, la question migratoire fait le jeu du communautarisme, et c'est au sein du communautarisme que naît et qu'est relayé l'islamisme. Donc si on ne traite pas la question migratoire dans notre pays, alors on a très peu de chances de traiter la question islamiste. En attendant, il y a 1200 actes antisémites qui ont été commis, qui sont recensés, qui pour nombre d'entre eux euh, donnent lieu à des plaintes, à des comparitions, certaines immédiates. Xavier Bertrand hier, qui était à mon micro dans la, dans la marche euh, contre l'antisémitisme, disait, je m'interroge sur euh, les décisions pénales, sur les suites. Est-ce que, au fond, ce que vous dites à l'instant, d'ailleurs, sur les juges qui l'obligent à continuer à financer certains lycées, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les juges, les décisions, in fine... Les peines sont à la hauteur. Oui, on a probablement une difficulté vis-à-vis -vis des peines et de leur application. Euh, évidemment, probablement sur ce sujet-là et sur bien d'autres dans notre pays, c'est la justice, la justice et son laxisme bien connu, bien reconnu aujourd'hui. Il, il, il y a un laxisme. L'imam la de, Bo oui, oui, oui. de Boker, par exemple, enfin, qui avec sursis, non, ça mais, suffit pas. Non, ça suffit pas. Quand on fait l'apologie du terrorisme, lorsqu'on a des propos aussi épouvantables que ceux de l'imam de Boker, des propos avec sursis, c'est-à-dire en réalité Juste une menace au-dessus de sa tête aujourd'hui. S'il recommence, il pourrait avoir de la prison ferme. Non, ça ne suffit pas. Non, je considère que lorsqu'on fait l'apologie du terrorisme et l'apologie de l'islamisme dans notre pays, on doit être sanctionné. Mais c'est là aussi où il y a la nécessité de bien savoir ce à quoi, face à quoi on se bat. C'est-à-dire définir ce qu'est l'islamisme, définir ce qu'est cette idéologie pour mieux la combattre, en combattre son expression, en combattre son financement, en combattre ses relais en combattre ces complaisances dans notre pays et en combattre aussi ce qui euh, évidemment chaque jour pollue le débat politique. Vous avez dit à propos de l'absence d'Emmanuel Macron qu'il aurait dû être là parce que le combat c'est le combat contre l'islamisme. Ça veut dire que pour vous l'antisémitisme aujourd'hui n'est plus que un antisémitisme islamiste. Ah, bah, ben, il puise, évidemment, 99% sa source dans l'islamisme. Quand le président donne ce sentiment d'abandon, en n'étant pas présent à ce grand rendez-vous, quelque part, il refuse de se mettre face à une réalité. Je disais tout à l'heure, défendre les Français, c'est leur dire la vérité. C'est d'ailleurs le pari qu'a pris, qu'a toujours pris Marine Le Pen en traitant les Français comme des adultes et en leur disant, ici, il y a de l'antisémitisme qui puise sa source quelque part et ce quelque part, c'est dans l'islamisme. C'est une réalité. C'est pas. Écoutez, il peut y avoir un antisémitisme qui existe euh, dans une vieille extrême droite française, euh, qui dit euh, Rivarol, avec lequel je suis euh, moi-même en procès. Où, euh, Vous êtes en euh, procès avec Rivarol, qui aujourd'hui écrit sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui soutient Jean-Luc Mélenchon, qui écrit bien sur Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il faut dire, qui écrit des choses positives sur Jean-Luc Mélenchon. Donc quelque part, la, la boucle est bouclée. Euh, oui, je crois que, euh, et c'est pas je crois, c'est que euh, aujourd'hui, euh, la place d'un un, un jeune juif, il risque plus sa peau euh, dans un environnement islamistes, euh, par exemple en Seine-Saint-Denis, que euh, dans une manif euh, du Rassemblement National, ça c'est sûr. Et vous estimez donc que l'absence d'Emmanuel Macron hier est une faute Ah bah, Je considère qu'au minimum, c'est un signe d'abandon et, et un rendez-vous manqué avec les Français et avec les valeurs que nous défendons. Il n'était pas à la marche euh, parisienne, David Racheline Je n'ai pas euh, regardé, on avait beaucoup d'élus du Rassemblement National, mais euh, pourquoi n'y serait-il pas d'ailleurs Ça vous a arrangé peut-être qu'il ne soit pas sur la photo c'est pas non, le cas s'afficher euh, avec David Pourquoi Rachin Mais David Rachine n'est pas en procédure, n'est pas convoqué devant aucun tribunal au moment où nous nous parlons. Donc euh, David Rachine est un maire de Fréjus, fort bien réélu, mis en cause par une journaliste euh, politisée, euh, adversaire du Rassemblement national, mais qui euh, aujourd'hui n'est pas devant un tribunal. Pour ceux qui nous écoutent, qu'on donne euh, tous les éléments. Une journaliste, comme vous dites, Camille Vigogne, qui est journaliste euh, au, au journal L'Obs. Je ne sais pas ce qu'elle est hostile ou pas. En tout cas, bah. ce qui est sûr, c'est qu'elle a mené une enquête, et une enquête rigoureuse, un an et demi d'enquête, avec de nombreux enregistrements des documents, des témoignages. Et elle en a fait un livre, ça s'appelle Les Rapaces, c'est publié aux éditions Les Arènes. Et dedans, elle raconte une forme de fonctionnement mafieux autour de David Racheline à Fréjus. Elle parle d'une forme de corruption avec des liens particuliers avec un homme d'affaires de Fréjus qui s'appelle Alexandre Barbero, qui financerait, euh, y compris parfois, des, des, des vacances de Jordan Bardella, madame, qui choisit d'aller dans ses hôtels. Qu'est-ce que il va vous dites mettre à Tout cela ça vraiment au conditionnel. Et il faut il faudrait, puisque David Rachlin conteste tout ça et qu'il y a une procédure judiciaire qui, je crois, va être entamée, il faut vraiment mettre tout ça très au conditionnel. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a encore euh, des adversaires politiques. Et, euh, la journaliste que vous citez est une adversaire politique. Elle a le droit d'avoir des options politiques. Elle nous est très hostile depuis toujours. Pour vous, le travail et... qu'elle a mené n'est un travail que politique. Oui. oui, oui, oui. Le oui, fait oui, d'avoir oui. enquêté oui. sur président. Fréjus... Non, non. Elle reprend l'intégralité euh, des euh, éléments de langage de l'opposition politique de David Rachlin. Donc oui, c'est un travail à charge, un travail politique. Politique, probablement fait pour saisir du Rassemblement question, national et sincèrement. Euh, J'imagine que vous avez demandé euh, à David Rachid si par exemple il était vrai qu'il avait acheté en liquide au nom au départ non, mais, de son, mais, euh, de son euh, euh, conducteur une montre à 15 000 euros. Non mais sincèrement, la seule, paraigne... la seule question que j'ai posée et la seule question qu'on peut poser c'est aux habitants de Fréjus. Que pensez-vous de votre maire, euh, de son image, de sa gestion, de sa capacité à gérer la ville Ils l'ont réélu au premier tour. Donc si vous voulez, moi je veux bien tout entendre, que le des ragots, euh, des choses qu'on doit mettre au conditionnel, ce que, que conteste David Rachin. Ce que je vois derrière, c'est qu'il y a pour certains la nécessité d'essayer de rediaboliser, euh, de rendre à nouveau le Rassemblement national comme un diable par des arguments et des argusies qui sont fort contestables, parce qu'aujourd'hui, ça permet de planquer la gauche qui hier s'est fait huer, ça permet de planquer Mélenchon, et que si, ce serait dommage, hein, si le Rassemblement national n'était pas le parti politique euh, parfait, euh, qu euh, que, nous, que nous, on ne pense pas être parfait, mais en tous les cas, qui aujourd'hui rassure le plus les Français, ce serait bien dommage. Donc, il faut essayer de le salir. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus d'arguments, à ce point, plus d'arguments pour nous combattre, qu'ils en sont à ce type de mais, procès mais, politique. Mais Sébastien les Chenu, on, la sait bien gérer tout que... ça. On, on laissera la justice, bien sûr, puisqu'une plainte a été déposée. Mais, mais Sébastien Chenu, il y a aussi, vous dites, euh, des on-dit, mais il y a aussi des vidéos, il y a cette, euh, cette, ces propos euh, de David Rachin, qui dit d'ailleurs, lui, que c'est bien par Jean-Marie Le Pen qu'il est rentré au Rassemblement National enfin au front national à l'époque, ce que euh, aujourd'hui la nouvelle génération en quelque sorte du rassemblement national dit absolument pas, et c'est euh, nombre d'entre vous qui dit nous ne serions pas rentrés au rassemblement national euh, du temps de Jean-Marie Le Pen, c'est pas du tout le cas de David Raschevsky qui revendique d'y être rentré par Jean-Marie euh, Le Pen, et puis il y a cette vidéo où on l'entend euh, imiter le fureur comme il dit, rentrant dans une voiture Mercedes avec une blague en disant ah c'est la on voiture a déjà du fureur. Ça, Madame, ça, ça, de vous, met non, ça de vous met pas mal à l'aise dans, mais mais non. dans le moment, Il y a deux choses, euh, on vient de parler d'une immense manifestation, qui, je crois, est un tournant dans notre vie, et on atterrit dans des petites poubelles d'une journaliste qui règle des comptes. Est-ce qu'on peut juste garder un peu de hauteur, de dignité, et se dire que tout ça va être traité au niveau quel ça doit être traité, et que les électeurs eux-mêmes ont déjà tranché. Pour le reste, on a des enjeux de, dans notre pays qui dépassent, excusez-moi, euh, les plaisanteries euh, éventuelles mais des si un, Mais s'il est avéré, par mais exemple, que Jordan Bardella en effet a systématiquement choisi un hôtel à Fréjus lorsqu'il il est dans la région y compris en devant rouler parfois une heure mais parce que les unités sont payées est-ce que ça un problème madame de malherbe madame de on est à un niveau excusez-moi nous descendons à un niveau qui n'est pas celui du début de notre entretien et de ce que les français traversent et de ce que les français vivent mais pour moi il faut pouvoir rester surtout bien sûr marche, mais également sur ce la justice tranchera tout ça s'il y a quelque chose à trancher or aujourd'hui il n'y a rien à trancher. Et donc aujourd'hui, vous apportez votre soutien Mais bien sûr, à David Rachine Bien sûr. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord. Merci d'être venu répondre à mes questions ce matin. Il est 8h52 sur AMC BFM TV.